Ceux qui sont avec nous, ils sont nombreux. Déjà, bon Noël. N'abusez de rien, surtout. Usez de tout, mais n'abusez de rien. N'abusez de rien. En tout cas, on aura l'occasion de vous le redire tout au long de ces quelques jours. On va vous manquer peut-être, vous allez nous manquer. En tout cas, bonjour Céline. Salut Dani. Bonjour, aujourd'hui on va recevoir M. Henri Derolle, bonjour. Bonjour. Il va parler de cette manifestation du CIPN qui aura lieu le 2 janvier. CIPN, je le rappelle, c'est le Comité International des Peuples Noirs. Sinon, aujourd'hui dans l'actualité, bien sûr, c'est BMAO. Oui, BMAO. Oui. Alors, qui sera à la tête de BMAO après Harry Chalus? la fausse vraie question, en fait. Ouais, hein, sans surprise, en théorie, l'actuelle deuxième adjointe Hélène Polifont a été officiellement installée ce matin lors d'un conseil municipal. Maxime Morel était sur place. Il y est encore peut-être. On attend donc son sujet pour notre journal dans quelques minutes. Nous partirons également pour Paris où les ultramarins sont en plein préparatif de Noël. Vous allez le voir dans notre sujet. Beaucoup tiennent à respecter les traditions culinaires. Maurice Cessé est allé un petit peu jeter un coup d'œil du côté de ses préparatifs. Et puis nous reviendrons en image sur l'arbre de Noël de l'association Yonalot à Sainte-Anne. C'était hier après-midi. Et puis j'en profite peut-être, oui, Danick, directement pour passer cette petite annonce. Une dame, Madame Vénus, a récupéré des papiers d'identité d'un monsieur Valérie Licaon qui les aurait égarés ou perdus. Donc voilà, Valérie Licaon, cette dame, Madame Vénus, est joignable au 06 90 55 23 53. 06 90 55 23 53. Voilà pour monsieur Valérie Licaon et ses papiers d'identité qui ont été retrouvés. Et puis je rappelle que tout à l'heure, nous aurons notre rubrique juridique comme chaque jeudi, même si c'est Noël, avec nos deux avocats qui seront là tout à l'heure. On parlera un petit peu du droit alimentaire, c'est bien ça? Oui, l'obligation alimentaire, des enfants en direction des parents et un petit peu les difficultés au niveau de ces familles un peu décomposées parfois. Voilà. Bien, on l'a dit, on parlera aussi, peut-être, on aura en direct le nouveau maire ou la mairesse, comme on peut l'appeler, Hélène Polifont. En tout cas, l'invitation est lancée et elle devrait peut-être vers 13h être avec nous, répondre en direct à nos premières questions, enfin en soi. En tout cas, on commence tout de suite par saluer quand même, il faut le dire, Céline, on souhaite le joyeux Noël à tous les enfants. Bien sûr. À tous les mamans, à la mienne aussi, à la vôtre. Oui, à la mienne, oui, qui doit être déjà en train de réveillonner peut-être. Ah bien oui, compte tenu de l'heure. Peut-être pas encore, mais... 18h quand même, c'est un peu tôt pour commencer. On envoie le bonjour à tous ces gens-là. Bien, alors on va parler du CIPN, le Comité International des Peuples Noirs. On reçoit Henri Derolle, bonjour. Bonjour, bonjour. Et puis je profite pour, au nom du CIPN, de souhaiter un bon Noël à toute la Guadeloupe. Oui. Que ce soit les enfants, les vieux mondes, les jeunes mondes, tout le monde, donc a dit CIPN, qui a dit bonjour et bon Noël à vous, tout le monde. Bien, alors, CIPN, quand il fait comme chaque année aux manifestations, c'est que le 2 janvier, c'est ça, hein? Oui, alors le 2 janvier, le CIPN a fait des manifestations, nos programmations des manifestations dans l'année. Mmh. Alors, quand nous avons commencé l'année, et nous avons dit qu'au CIPN, nous pas guère foi dans trêve des confiseurs. Donc, le 2 janvier, déjà, nous avons voulu aller vers une grande manifestation qui est la Journée internationale des peuples noirs. Oui. C'est une journée qui est faite samedi le 2 janvier, parce que samedi, nous avons pensé que le premier, tous ces gens-là, il y a un emballant à Joudlan. Le 2 janvier, il y a pays libre. Donc, le 2 janvier et dans l'après-midi. Oui. Donc, à fond, grand contrée. Et ça, Georges Tarrer, c'est l'OI6.
Donc tout le monde connaît ça, les Joseph Tarère. Nous avons rencontré à partir de 4 heures. Ouais. Et qui thématique à contre-élation? Alors, thématique à contre-élation, thématique culturelle. En grand assemblée culturelle pour montrer quand même que le CIPN, même dans la lutte à un combat aïe, mais tout passe qu'à passer par, par le côté culturel, le côté, je dirais, vraiment la culture qui est la base de ce type de mouvement. Donc c'est pour ça que, en contre là ça, nous n'y comme invité un certain nombre de personnalités culturelles et aussi littéraires. En la personne de M. Blanche, qui est son historien, donc qui est venu parler nous un petit peu de tous les problèmes, notamment les problèmes de la Guadeloupe et de l'esclavage. Nous avons aussi M. Plaisant, c'est un écrivain. Ils font très très bel le livre à théâtre sur justement la rencontre de Ignace, de Pélage, des Marie-Rose, enfin tous ces mouns-là qui a dans qui en 1802 fait face à la Richepense. Donc sont encore d'ailleurs on a profité pour dire mouns qui est venu, respirons l'eau mouns qui est venu, des vignes vraies et moi j'ai ça. Parce que nous avons fait des petits théâtres pendant un petit moment, et nous avons fait un moment qui est très très fort à un moment là. Mais ça a fait partie des déroulés là, qui n'est pas autre. Nous avons en plus un certain nombre d'artistes, que Guadeloupe bien connaît, qui est Eros, qui est Marilyn Daumé, que le monde connaît son Matamagnoc, habitant culturel de la Guadeloupe. Nous avons Luc Hubert Séjour, qui aussi nous connaît bien, nous connaissons Comminges, nous connaissons Jackie Richard. Tout ça, ce sont les artistes qui ont porté contribution à eux, à des manifestations à ça. Alors, avant, on va plus loin, je vais poser une question, puisque ce comité international des peuples noirs, depuis 2 jours, de savent ça, Christiane Taubira, comme il va dire, dans la tourmente par rapport au problème de la déchéance de nationalité, où ça a été proposition, le gouvernement la proposition qui est à le FN, le Front National. Qui sont les autres CIPN qui ont analysé ça? Ben, pour l'instant, bon, c'est vrai que nous avons le problème qui est le problème guadeloupéen du peuple noir. Oui. Bon, le problème de la déchéance aujourd'hui, c'est un problème qui a touché effectivement le important sur le au niveau juridique. Qui positionne nous? Bon, nous beaucoup, quand ça fait hier, donc nous beaucoup débattre parce que nous travaillons en débat. Nous beaucoup débattre de ça dans la réunion nous, mais on a pensé que ça a mérité un débat important au sein du CIPN. Et là où nous avons bien débattu, là, nous avons communiqué, comme nous l'avons l'habitude de faire, pour positionner nous. Donc d'accord. C'est pour ça qu'on ne voit pas des positions personnelles en moins. Oui. Mais enfin, en tous les cas, c'est le CIPN qui décide. C'est une question peut-être? Oui, peut-être juste pour rebondir sur... depuis hier, dans les médias, on lit justement que Christiane Taubira est quelque part fragilisée. Est-ce que d'un point de vue politique, vous avez aussi cette analyse? Ou alors ça fait partie aussi de la démocratie, de l'exercice du pouvoir? On a le droit de parfois ne pas être d'accord avec son gouvernement? Oui, nous pensons que... d'une part, c'est une femme qui a quand même fait des choses, avancé des choses dans le gouvernement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, elle a fait quand même avancer des choses. Donc nous sommes très attentifs à la chose. À savoir, aujourd'hui, est-ce que ça l'a déstabilisé? Connaissant la personne, ce n'est pas une femme qui serait déstabilisée par quoi que ce soit. En plus, nous pensons sincèrement, enfin personnellement, je ne dis pas nous, je dis moi personnellement parce qu'on n'a pas débattu personnellement. Je pense que c'est une femme qui est assez honnête. Et si elle dit que cette mesure était rejetée par le président et aujourd'hui le président a fait marche arrière, moi je la crois. Bon. Maintenant, c'est à voir. Mais à savoir si elle est fragilisée. Non, personnellement, je ne pense pas. Si elle doit quitter le gouvernement, je crois qu'il y a quelqu'un qui pourrait le dire. Vous trouveriez dommage qu'elle quitte le gouvernement? Ben, je pense que, comme c'est une femme de conviction, je pense que, personnellement, je pense que c'est elle qui est là jusqu'au bout. C'est bientôt terminé, qu'elle est jusqu'au bout, qu'elle aurait fait des choses. Moi, je n'aime pas quitter le bateau. Hein. Donc, je pense qu'elle est dans le bateau, elle a fait des choses importantes. Et quitter le bateau, ça voudrait dire que les autres ont raison. Donc, je ne pense pas que ça soit un petit peu sa manière de penser. Cela dit, ça montre bien qu'il y a une rivalité depuis longtemps entre Christiane Taubira et Manuel Valls. Je crois que les deux ne doivent pas beaucoup s'aimer, j'ai l'impression. Non, mais évidemment, de toute manière, Manuel Valls, rappelez-vous, lors des primaires, Manuel Valls, il avait annoncé la couleur.
Il avait montré quel type de personne qu'il est. Bon, Christiane Taubira, elle, de son côté, il ne faut pas oublier que Christiane Taubira, elle est quand même, dans le gouvernement, elle est quand même femme plus à gauche du gouvernement. Oui. Elle a toujours aussi manifesté. Donc, comme c'est une femme de compromis et c'est une femme d'une grande éducation négo-caraïbe, donc elle reste dans le gouvernement, mais elle ne se laisse pas marcher sous les pieds, même par le gouvernement ou par le Premier ministre. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe, avec le président, avec le chef, vous partez. Oui, c'est ce que disait un ancien ministre de l'Intérieur. Chevènement, on est d'accord, on ferme sa gueule, quoi. C'est quoi, en gros ? Voilà. Ou on démissionne. Ou on démissionne. Oui, c'était carrément on démissionne. Mais je ne sais pas si c'est aussi valable en politique. En politique, c'est un peu différent. De notre prise, oui, mais dans la politique, je ne sais pas si c'est la démocratie qui prime. Bien sûr. Enfin bon, de toute façon, on va suivre ça. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas démissionné. Et elle ne compte pas le faire, je crois. Et je ne pense pas qu'elle le fera. Mmh. Et comme on dit souvent, c'est la caution de gauche du gouvernement Hollande aujourd'hui. Un gouvernement qui prend des positions de plus en plus à droite. Puisque il faut quand même rappeler que cette question de la déchéance de la nationalité qu'ils veulent inscrire dans la Constitution française, bon, ça c'est le problème du gouvernement, mais c'est quand même une mesure que l'extrême droite avait avancée. Et aujourd'hui, on voit que le Parti socialiste recule sur ses fondamentaux et avance sur la voie du Front national. Oui, absolument. Mais je crois qu'il est tout à fait visible que le gouvernement de gauche, parce que je pense que nous tous, en grande partie, on a voté ce gouvernement de gauche, eh bien, on se rend compte que ce gouvernement de gauche qui veut et qui voit arriver les échéances prochaines, eh bien, il essaie absolument de ramener des voix. C'est-à-dire que, je le dis peut-être rapidement, mais je trouve que François Hollande, il joue dans le jeu de Sarkozy, personnellement. Hein, là, c'est, je m'engage personnellement. Et je trouve même jusqu'au Front National, hein, parce que c'est une mesure d'extrême droite, et aujourd'hui, c'est une mesure qui va être appliquée entérinée par la Constitution, et il y aura un débat, je crois, en février qui sera fait à l'Assemblée nationale française sur la question de la déchéance de nationalité. On voit déjà, il y a une frange du Parti socialiste, ce qu'on appelle les fondeurs, qui ont déjà dit leur opposition à cette mesure. De l'autre côté, on voit la plupart des députés de France de droite sont tout à fait d'accord avec ça. Donc il est évident que François Hollande aujourd'hui il travaille à rassembler la droite. Absolument. On va revenir au CIPN. C'était juste une petite parenthèse sur l'actualité. Vous ne pouvez pas y échapper. Oui. Alors, le déroulement de la manifestation. Alors, la manifestation va commencer donc, à 16h, à partir de 4h. Donc, a commencé. Donc, nous avons commencé avec l'appel en coup de tambour, hein, qu'on entend longtemps, hein, l'appel du peuple. Serge Tarrère, il y a de la place. Donc, j'espère que le maximum de personnes viennent. En général, quand le CIPN fait quelque chose, il y a beaucoup de monde qui viennent. Hein, parce que c'est un peu une pensée que nous essayons de maintenir. Et les gens, ils sont très sensibles à ça. Donc, nous commençons notre manifestation vers 4 heures. Avec un mot d'introduction de la présidente, hein, de Jacqueline. Et puis, probablement, nous quittons un petit coup de la Lambie aussi, parce que Lambie, c'est appel à nous, hein, Tarmoué Lambie. Hein, on va essayer de rester ça quand même dans la tradition. Et à partir donc de 16h15, c'est un moment très fort, parce que c'est la diffusion d'un film. Un film qui s'intitule « La route de l'esclavage ». Donc, c'est important. Ce n'est pas que nous sommes ancrés sur l'esclavage, mais ce sont quand même des moments forts qui permettent de savoir ce sont des choses qui ont existé. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens, et malheureusement nos jeunes, ne connaissent rien. Là, on parle d'esclavage, alors il y a pour yo, ça s'est habité longtemps, et malheureusement, des parents aussi. On dit, c'est pas l'esclavage, c'est pas l'habitant. Alors que c'est un phénomène historique. Les Français parlent bien de leur histoire, les Romains parlent des autres. Pourquoi nous parlons une histoire ? Il faut nous parler d'histoire en nous. Donc c'est pour cela que ce film, c'est un film qui est très important et que nous souhaitons que viennent beaucoup de personnes, mais surtout les jeunes, tout le monde, mais les jeunes scolaires. Là, je m'adresse aux instituteurs, je m'adresse aux professeurs pour qu'ils viennent et qu'ils emmènent leurs élèves. Ce serait quand même un moment important. C'est un samedi, donc on est encore en vacances. Donc on le souhaite. Ensuite, après ce film-là, bon, ça dure, c'est un film qui dure à peu près une heure, hein, une heure film, mais intéressant. Et suite à ce film-là, il va y avoir un petit débat, qui est notre beau cantage.
avait des, comme on a un historien qui sera là, et bien, ainsi qu'un écrivain, ainsi que les gens du CIPN, nous sommes quand même, nous ne sommes pas des maîtres à manioc, mais nous sommes quand même suffisamment calés sur l'histoire des Antilles, l'histoire de l'esclavage en général, eh bien, ben je pense que d'ailleurs que Dany sera là aussi, qui est très féru en la matière, il va nous porter ses lumières. Donc, voilà, nous souhaitons que maximum de personnes viennent à ce beau cantal. Ensuite, une petite séquence musicale de temps en temps pour égayer un peu la chose. Et puis Hubert Saint-Jean, que l'on connaît avec ses mots phrasés qui sont quand même d'une très grande qualité, eh bien, il viendra aussi faire une intervention importante. Et deuxième moment fort, c'est vers 18h. Donc, Luc-Éric Saint-Georges sera là vers 17h40. Vers 18h, il va avoir donc cette comédie. Cette tragédie, plutôt théâtrale, à partir du livre de Monsieur Plaisant, où seront mis en face Pélage, que probablement je représenterai. Ah bon ? Et oui. C'est pas un honneur. Non, c'est pas un honneur. Ah oui. Mais les différents intervenants artistes entre guillemets, oui. Ils se sont dit, le premier a dit moins en c'est Ignace. Oui. Le cas dit moins en c'est Delgrès. Oui. Bon, c'est un Pélage. Qu'un Pélage. Alors dit bon Pélage. Un Pélage. Alors qu'il essayait fait on Pélage quand même, on voit Pélage. Donc et c'est un moment très important parce que c'est ce moment là de affrontement avec c'est un 3-4 voix qu'on va faire. Alors, peut-être que c'est important pour Moun qui passave de dire qui était Pélage en deux mots, parce que bon, vous disiez tout à l'heure que peut-être les jeunes ne connaissent pas l'histoire de la Guadeloupe, mais ils entendent parler de Pélage, qui était ce Pélage? Mais justement, alors c'est pour cela qu'il faut impérativement que les gens viennent pour voir exactement ce qui était. Alors Pélage, c'était donc un officier supérieur de la France, hein. C'était un Antillais, c'était un noir, hein, et mulâtre. Et de la France, et qui était donc mis en place par le gouvernement républicain de la France, et qui gouvernait donc la Guadeloupe pendant un certain temps, le temps que le gouvernement de France, de Bonaparte, envoie un autre émissaire, et qui est Richepense. Je crois qu'il y a des gens qui ont connu. Il y a des gens qui connaissent le fort Delgrès, c'était Richepense anciennement. Donc, vous voyez, ce sont des trucs historiques qui sont quand même importants. Et Pélage, donc, homme de officier supérieur, a toujours été très loyal, très très docile avec la France. Il a toujours cru que Richepense viendrait simplement reprendre la Guadeloupe, mais d'une manière pacifique sous la bannière de la liberté, égalité, fraternité. Et il s'avère que finalement Richepense est venu non pas pour ça, mais pour rétablir l'esclavage, parce que c'était le vœu donc de Bonaparte. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que Joséphine de Beauharnais, son père était donc un esclavagiste à la Martinique, qui avait des esclaves, c'était l'abolition de l'esclavage, évidemment, ça mettait en péril ses plantations. Elle a dit à son mari, ou bien gentil, elle avait révolution en là, mais papa en main, papa en cacao, papa en gaz, alors vous remettez ici, monsieur, au travail. Ouais. Et son père, Bonaparte, a dit, mais chérie, pas de problème, mettez-moi ici en charge, en là. Et c'est comme ça qu'il a donc envoyé Richepense. Et face à lui, alors, il y a eu Delgrès, qu'on le connaît Delgrès, mais il ne faut pas oublier non plus que Delgrès était aussi un officier de la France. Ouais. Ça, c'est un élément important. Ouais, c'est le soldat français à l'époque, oui. C'est l'armée française. C'était l'armée française, c'était tous des militaires. Ouais. Hein, c'était aussi un gradé, qui était moins gradé que Pélage, mais c'était aussi un gradé. Et qui, prenant, et d'ailleurs, on verra ça dans la petite pièce de théâtre que nous allons faire, et il doutait, et pendant très longtemps, il a douté de la venue de Richepense en tant que reconquistador. Et pendant très longtemps, avec sa femme, donc qui sera là aussi dans ce petit théâtre, et sa femme qui lui dit mais tu doutes que Richepense vienne nous mettre en esclavage? Il dit oui, je doute parce que Richepense est un grand guerrier de Napoléon, ils ont fait des choses importantes. Sa femme dit mais tu es sûr que tu vont pas faire, ils vont pas? Et puis voilà, donc il y a ce dialogue entre Delgrès et son épouse, et il y a évidemment Ignace, et qui lui était, on l'oublie souvent d'ailleurs, hein, que Ignace c'était le plus révolutionnaire, hein. C'était aussi un militaire,
C'était pas c'était un militaire qui n'est pas supérieur, c'était aussi un militaire. Et c'est lui qui était le plus virulent, ainsi que Massotou. Massotou, il est mort très vite, hein, parce que quand ils sont allés à Monalo, il s'est noyé. Bon. Mais c'était, voilà. Donc on va avoir en place Pélage, donc ce loyaliste. On va avoir Delgrès, la femme de Delgrès. Et. Voilà. Ok, bon, ben écoutez. Moi j'avais une question, oui, une il question. Me semblait que j'avais lu dans le communiqué qu'il y avait aussi, justement sur. Vous alliez vous pencher en fait sur le destin de Marthe Rose Toto, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors j'avais jamais entendu son nom. Mais justement, alors. Je trouvais ça intéressant de. Oui, eh bien c'est la femme de Delgrès. On appelle Toto. Toto comme notre Toto. Oui. Ouais. Mais maintenant, c'est pas le même. C'est pas le même. Pas tout à fait. C'est pas le même. Je ne crois pas qu'il soit le même. Mais non, c'était effectivement. C'était l'épouse de Delgrès. Et vous savez que. Qui a joué un rôle aussi, qui a joué un rôle très important. Parce que, vous savez, quoi qu'on dise, les femmes ont joué un rôle très important chez nous. Même si nous faisons notre macho, les femmes ont joué un rôle très important. Et elle a fait jouer un rôle important parce que c'est elle qui a pu finalement convaincre son mari Delgrès. Que mettons en axe, c'est Bois Ravini à le porter mon œuvre. Oui. Bien. Encore une question. Oui. Allez. C'est Noël. Oui, c'est la dernière. Bien. Non, peut-être, justement, j'avais encore une question, peut-être sur est-ce que ce 2 janvier, dans la Caraïbe, j'imagine qu'il se passe plein d'autres choses, est-ce que vous êtes en lien aussi ou avec les. Oui, nous sommes en lien, oui, parce que le CIPN est en lien avec tous les mouvements de la Caraïbe. Hein. D'ailleurs, vous verrez ça dans notre programmation. En janvier, on aura une grosse rencontre avec les Caribéens, les différents mouvements de la Caraïbe, Martinique, Trinidad, Jamaïque, Cuba. On aura ça très prochainement. Et eux, de leur côté, ils font aussi des manifestations, peut-être pas les mêmes, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes histoires, même si le fondement, c'est le même. Mais nous avons aussi des manifestations, nous avons des relations entre nous. Alors, pour terminer simplement, après cet hommage, il va avoir donc... l'écrivain qui va donc expliquer un petit peu son livre. Mm-hmm. Et aux environs de 18h35, il va avoir donc une partie musicale avec tous les artistes que j'ai cités, à savoir Marilyn Darmé, Luc-Hubert Saint-Georges, Comminges. Voilà, il y aura une grande partie musicale, mais toujours sur ce même thème. Donc voilà, pour terminer, ce sera une très belle journée. Oui. Et j'invite. C'est le 2. Le 2. C'est le lendemain donc du premier. Le lendemain du premier. Et il faut dire, pour répondre un peu à ce que disait Céline, le premier, c'est l'anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Effectivement. 1804. Ah, vous le savez. Je lisais encore l'histoire d'Haïti ce matin. Voilà. Merci en tout cas, Henri Dorol, d'être venu. On rappelle donc cette manifestation du CIPN le 2 janvier. C'est à Tarare, à Pointe-à-Pitre. Alors donc, portez mon œuvre pour être là, même si le 1er janvier, j'aurais fait Noël. Le Noël est Joudelan, mais le 2 Joudelan, il a fini. Donc, c'est le moment d'être là et de commémorer cette date importante dans notre histoire. Voilà. Merci. Merci, et puis bon Noël encore. Oui, bon Noël et bonne année, pas bouger. Céline, rapidement, le premier titre, il est prêt. Premier titre, je ne pense pas qu'il soit prêt, mais on va tourner une page Noël, et puis on va partir directement pour Paris, un sujet de Maurice Cessé. Alors à Paris, les ultramarins sont en plein préparatif de Noël, vous allez le voir dans notre sujet. Beaucoup tiennent à respecter les traditions culinaires. Notre correspondant, donc Maurice Cessé, s'est rendu chez Tropique Marché à Saint-Ouen, et vous allez le voir, il y avait beaucoup de monde. Il a rencontré notamment la dame qui gère Tropique Marché. On regarde. Évidemment, c'est la fête du cochon, hein. Je t'apprends rien, Maurice. Hein. Donc, le boudin, tout fait ou à préparer, c'est-à-dire qu'on trouve le sang, les boyaux pour le faire, et puis tout ce qui peut servir à faire un ragoût délicieux avec du très bon cochon. Et qui est du porcelet d'ailleurs, je signale, hein, beaucoup plus tendre et goûteux que le porc habituel. Et voilà, donc les gros légumes bien sûr. Bon, j'allais te parler des pois d'Angole, mais là malheureusement on est tombé en rupture, mais bon, ça va revenir. Ben voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour préparer un Noël de tradition, comme au pays. C'est vrai qu'il y a foule depuis plusieurs jours, et notamment cet après-midi. Ces personnes viennent d'où, de peu partout de la région parisienne et peut-être encore plus loin? Elles viennent de loin pour la plupart. Certaines viennent évidemment de la région parisienne, mais je dirais qu'aujourd'hui, je pense que le reportage et les interviews le diront, mais ce sont des personnes qui viennent d'assez loin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a à la dernière minute comme ça. Et c'est très difficile pour nous de prévoir à l'avance
quelle sera l'intensité de la vague d'assaut, je dirais, des derniers jours. Alors, je voudrais être modeste, mais en même temps, nous pouvons être fiers, je crois, d'avoir une bonne équipe qui connaît parfaitement bien les produits, qui connaît parfaitement l'activité, un savoir-faire qui maintenant est prouvé et approuvé. Donc, je pense que les ingrédients sont là, des bons produits aussi de bonne qualité. Nous sommes très rigoureux sur les arrivages, sur la sélection des produits. Puis encore une fois, je crois que le fond de la question, c'est l'équipe. Alors, ces produits viennent directement des Antilles pour la plupart ? Oui, alors bien sûr, ils viennent du pays. Ils transitent par Rungis, parce qu'il faut des transitaires. Donc nous, nous sommes le dernier maillon de la chaîne, parce que nous ne pouvons pas importer directement. Mais voilà, Rungis se débrouille, je dois dire, ça fonctionne. On arrive à trouver, pas tout, on aimerait trouver davantage, mais on y arrive. Alors pour ces fêtes de Noël, ça représente quelle masse de travail pour ravitailler la boutique ? Oh là là, alors je dirais que c'est quasiment du non-stop 7 jours sur 7. Et je crois que malheureusement, nous mettons un peu le personnel sur les rotules. Mais bon, ça se fait dans la bonne humeur et Noël représente 35% de notre activité annuelle. Donc nous sommes comme les chocolatiers et donc c'est un moment de l'année qu'on ne peut pas laisser passer. Donc tout le monde est motivé pour répondre aux attentes de la clientèle à cette période. Voilà, avant de tourner une page de publicité, quelques brèves. D'abord, sachez que ce jeudi 24 décembre, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, participe au déjeuner de Noël organisé au centre d'hébergement et de réinsertion sociale Acajou Alternative à Basse-Terre. Nous reviendrons sur ces événements, sur ce rendez-vous ce soir dans notre journal à 18h30. Et puis la SIG informe ses locataires de la fermeture définitive de ses caisses le 31 décembre 2015. Ça veut dire qu'à compter du 1er janvier 2016, un nouveau service de paiement pour les espèces est proposé à la banque postale. Et il faut se présenter dans un bureau de poste avec son avis d'échéance sur lequel figure un code-barre et régler tout ou partie de l'échéance. Un reçu est ensuite remis. Voilà, c'est le message de la SIG. On prend quelques minutes de publicité. On revient avec notre chronique juridique et l'information. Okay. À tout de suite. Ok, bon, je peux y aller. Oh, oui. Maxime, tout de suite. Voilà, eh bien, je disais que ça se passe à Bimaru, il est 13h07 et je reprends vraiment en cours pour vous dire que l'élection du maire, de la mairesse, comme on peut dire aujourd'hui, à Bimaru a bien eu lieu puisque le premier adjoint vient d'être élu. Il s'agit de M. Justin Dessoute, mais enfin, ce n'est pas une surprise. Bien évidemment, Audrey Cornano a été. On va dire retoqué, rebooté, comme on dirait. Et donc, les 14 adjoints sont en train d'être élus au moment même où nous parlons. Et notre envoyé spécial qui est là-bas, Maxime, reviendra probablement ce soir dans le journal avec les dernières informations. Et l'envoyé spécial de CCN aussi est là-bas. Mais tout n'est pas terminé. On va revenir à des considérations plus nouvellistiques. Eh bien, oui. On va parler un peu de ce qui va se trouver sur nos tables ce soir. Les fêtes de fin d'année sont bien sûr l'occasion de savourer des mets délicats. Alors la fameuse bûche de Noël devrait trôner sur certaines tables ce soir. Pour se mettre en appétit, la rédaction de Canal 10 vous emmène dans les coulisses de sa préparation. Sébastien Salomon, chef pâtissier, nous a ouvert les portes de la boulangerie-pâtisserie Gagnon à Jarry. Alors le sujet est un petit peu long, mais on a voulu eh bien, vous faire vivre toutes les étapes de cette préparation. Voyons ces images gourmandes. Sébastien, chef pâtissier de la boulangerie Gagnon, donc située rue Ferdinand Forest à Jarry. Donc, nous sommes dans mon labo avec mon équipe composée de 3 pâtissiers et 2 apprentis. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer la fabrication d'une bûche traditionnelle donc à base de génoise et de crème au beurre. Donc, en l'occurrence, crème au beurre chocolat aujourd'hui. Et une bûche un peu plus atypique, une bûche macaron framboise. Donc composé d'un biscuit macaron, d'une crème litchi et de framboises fraîches. Donc très important pour que la viande ne soit pas sèche à la dégustation. Le sirop, on peut l'aromatiser à ce qu'on veut, rhum, kirsch,
panini. Donc on va étaler une fine couche, pas trop épaisse, parce que la crème au beurre c'est bon, mais c'est écœurant. On sent que elle n'est pas assez imbibée, on n'hésite pas à rajouter du sirop. Et vous tirez comme ceci, vous pouvez apercevoir que la bûche se resserre. Bien ronde. Voilà, donc vous voyez, nous avons une bûche bien ronde. Je vous la démontrerai à la découpe. Bon. Alors, là j'ai deux cornets. Donc c'est tout simplement de la crème au beurre colorée verte. Donc ceci c'est une bûche crème au beurre, donc on appelle bûche traditionnelle, hein, c'est la bûche classique, donc en général c'est chocolat, café, praliné, grand marnier, donc à tous les parfums, et plus spécialement ici aux Antilles il y a la patate douce aussi, donc voilà, donc à déguster lors des repas de fête, hein, avec modération par contre. Hein. Je vais disposer mes framboises tout autour de mon macaron, donc c'est vraiment... un produit phare, je ne l'ai pas inventé, hein. C'est une recette de Contorsini, sauf que lui fait litchi rose, donc un mélange de litchi rose. On en remet un tout petit peu, simplement pour couler le chapeau. Cette année, on l'a fait en édition limitée. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Hop. Voilà, une macaron litchi framboise fraîche, donc toute sympa à réaliser sur deux biscuits macaron, avec un petit décor en pastillage pour faire ressortir. Donc voilà. Nous avons réalisé deux bûches aujourd'hui. Donc la bûche traditionnelle étant une crème beurre roulée, donc aujourd'hui à la base de chocolat, donc sur une feuille génoise. Donc tout simplement, très simple de réalisation à la maison ou en entreprise. Et la deuxième bûche plus atypique, une bûche macaron litchi à base de biscuits macaron, d'une crème litchi et de framboises fraîches. La bûche traditionnelle est très répandue partout, mais qui se perd au fil des années, qui se vend de moins en moins parce que les gens se lassent et qui partent sur des bûches plus sophistiquées comme la bûche macaron, des bûches mousse, des bûches un peu plus élaborées et plus travaillées. On essaie de renouveler chaque année des nouvelles sortes en gardant toujours les classiques et c'est à la demande de la clientèle. Au dernier mot, c'est le client qui a toujours le dernier mot, donc on s'adapte à notre clientèle, quoi. Voilà donc pour cette note gourmande, vivement soir. Ça donne faim. Oui, presque. Ceux qui doivent aimer ça, en tout cas, ça nous permet de passer tout de suite à la rubrique juridique, puisqu'on va parler d'alimentaire, mais pas de bûche. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait de bûche. Bonjour Marisa. Bonjour. Et bonjour France. Bon Noël, Bouzotte, hein, quand même. Bon Noël, Bouzotte. Pourquoi ? Ils n'ont pas fait Noël.
Ah oui, merci. Et puis aux téléspectateurs aussi. Mais oui. Et à vous, hein, Céline. Mais oui. Bien sûr, pas des autres. Bonne Noël quand même. Et bonne année 2016, puisque nous couvrons les autres en 2016. Mmh. Alors, la question de l'obligation alimentaire entre parents majeurs non scolarisés, c'est un vrai problème. Comment on pose ces questions? Comment, dans quel cadre? C'est dans le cadre de parents divorcés ou même pas divorcés? Ah non. Donc, l'obligation alimentaire, ni des niveaux, ni en famille, des mouns maïs ou non timoun, tant que timoun à charge, c'est-à-dire peut-être majeur, mais étudie l'école ou café étude, famille aïe, ni en obligation alimentaire vis-à-vis d'elle, qui aille en pension alimentaire. Bon. On peut voir donc un cas où timoun n'a pas majeur, il majeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'école, il n'est pas à la fac, il n'est pas à l'université, donc il y a charge. Ouais. Mais il y a une difficulté. Il y a une difficulté économique. Ou alors, famille-là peut être en difficulté. Donc à un moment-là, ça la loi a dit, c'est qu'une famille qui a une difficulté économique peut demander à Timounaï, qui est majeur, mais qui peut être à casa, qui a fait affaire, on l'argent, on pension alimentaire pour il peut faire face à la vie. Il peut demander, mais ce n'est pas une obligation. Non, il peut demander. Oui. Non, le principe. Et de même qu'un petit monde majeur qui est en difficulté, peut demander à la famille des aider et puis peut vivre. Donc c'est ça que c'est ça nous avons aujourd'hui là. Nous avons un problème en petit monde majeur qui n'est pas à l'école, mais qui est en difficulté. D'accord. Donc ça peut rentrer dans un bon cadre juridique. Oui, ça juridique, ça prévu par les textes. Ça prévu. Oui, mais ni deux cas. Ni aussi, bon sang, but un monde pas dit par les deuils. Mais aussi, nos obligations alimentaires vis-à-vis des beaux-fils, belles-filles, vis-à-vis des belles-filles, des belles-mères, ou des beaux-pères. Et réciproquement, belles-mères. Et beau-père, s'ils ont des difficultés, ils peuvent demander beau-fils et gendre et belle-fille en l'argent. Donc, je dis ça, nous avons vrai, c'est cas-là, ça. Nous ne pas parler des petits monde qui sont à l'école, des petits monde qui sont à charge. D'accord. C'est une question. Alors, peut-être la première question, je pense qu'on a commencé à y répondre, mais peut-être pour préciser, dans quelles conditions un parent peut-il être condamné à verser des aliments à son enfant majeur et autre cas qu'un enfant majeur encore peut répondre. Allouer des aliments à son père et à sa mère. Merci. Et où sa mère? Nous peut dégager trois principes. Ni un principe général, c'est sans dit aller là. Antimone, qui est en difficulté, quoi, la loi radio qui est dans le besoin, paiement des familles, des aider. Ça, c'est ça. Et aussi, en famille qui est en difficulté, paiement des timoun d'aider. Ces principes sont principes général de l'obligation alimentaire. Ni un deuxième principe, c'est que nous avons demandé de payer aux pensions. C'est-à-dire que c'est que le débiteur. Et l'autre, là, là qui a demandé de payer aux pensions, c'est le créancier. Mm-hmm. Eh bien, débiteur là, il qui a créancier là, ont l'argent qui est aidé en fonction de revenus. Mm-hmm. Et deuxième principe, et c'est aussi en fonction des besoins à Tala qui a demandé là. Et ni un troisième principe que nous peut dire, qui a un genre déterminé l'obligation alimentaire, c'est que l'envoi, il faut qu'on prouve qu'on a le besoin. Il pas suffit de dire qu'on a une difficulté, ça fait un mêlé, bon, moi, l'argent prouvé, il faut qu'on prouve. Ça, c'est les trois principes. Alors, la deuxième Alors, question. Deuxième question, peut-être Maritza, comment celui à qui sont réclamés des aliments, enfin une aide alimentaire, peut s'y opposer? Est-ce que c'est possible? Il y a un cas où... Oui, tout à fait. Effectivement, l'aide, la pension, elle va être fixée en fonction des besoins de celui qui la demande et également en fonction des revenus de celui à qui on la demande, également de ses charges. Donc, il y a plusieurs moyens qu'on peut opposer. D'un côté, on peut établir qu'effectivement, si cette personne se retrouve dans le besoin, c'est de son fait, parce qu'il ne cherche pas à travailler. On peut également établir que cette personne, elle a manqué gravement à ses obligations lorsque vous étiez mineur. Donc, par exemple, elle a été violente, elle ne s'est pas occupée de vous. Donc, on peut faire valoir que quand vous en aviez besoin, elle n'était pas là.
Et on peut également, à tout moment, demander à ce que cette pension-là puisse cesser, en fait, dès lors que la situation du créancier va évoluer. Et Maritza, qui arbitre, en fait, sur... C'est le juge qui va tenir compte, effectivement. Des affaires familiales. C'est ça, qui va tenir compte des besoins du créancier et, effectivement, des charges du débiteur. Et est-ce qu'il y a un seuil de revenus qui est déterminé ou bien c'est à chaque cas Voilà, c'est vraiment in concreto, en pratique. On va voir, hein, parce qu'effectivement, si vous-même, débiteur d'aliments, vous êtes dans le besoin, on ne peut pas vous imposer de contribuer à aider quelqu'un d'autre. Et il faut savoir aussi que cette obligation, elle peut être faite aussi en nature, c'est-à-dire que vous pouvez très bien proposer d'héberger chez vous et de nourrir une personne à défaut de donner une pension alimentaire. Alors, Céline, peut-être ? Oui, alors ensuite, on s'interroge sur l'obligation alimentaire, peut-elle prendre une autre forme, bah justement, que financière, on en parlait à l'instant, parce que, ouais. L'hébergement. C'est-à-dire que, plutôt à obligation alimentaire, là, c'est que, pourquoi demander au monde d'aider où ? Mais premier butin, il faut qu'il paye aider où ? Il ne suffit pas de demander. Nous dit tout à l'heure là, que vous qui avez dit ou dans le besoin, il faut que vous prouvez que vous dans le besoin. Mais aussi, il faut que un peu bas. Si moi-même j'ai une difficulté, il va avoir rien. Donc à un moment là, ça, le demandeur, mon qui a demandé mon pension là, il est débouté de demander. Tout principe là, principe de base là, c'est ça. Il a prouvé que dans le besoin, et moi-même il faut un peu bas. Bon, et c'est un peu ça. Donc, question, c'était ? Oui, justement, sur l'autre forme que peut prendre l'obligation alimentaire au-delà de, du financier. Bon, donc, si mon enfant, par exemple, a dit, aidez-moi, papa ou maman. Vous, qui avez dit, enfants, aidez-moi, moi, en difficulté. Donc, un peu pas bas. Mais on peut dire, mais si vous ne pouvez pas bas, moi, l'argent, ah ben, je vais vous dire, mais recevez-vous à casa. Comme ça, vous pouvez manger, vous pouvez boire. Vous payez bon l'argent. Vous pouvez héberger, vous êtes dans la casa. Vous êtes dans la côté, vous-même peut être en difficulté. Recevez mon la casa. Mais vous-même aussi. Sachant que, si par exemple, c'est Tim Nao qui m'a donné des idées, mais sachant que lui-même, son monde qui est en difficulté, mais son monde qui a une mauvaise fréquentation, ou que l'argent là, c'est Womi qui a eu avec ça, c'est Karina qui est allé, en fait, c'est gaspiller qui a gaspillé ça. Vous-même, vous pouvez proposer le juge là. Ou que recevoir Tim Nakaza, donc de dispenser ou de pension alimentaire ou d'aliments, de verser aliments, ou que recevoir Tim Nakaza, comme ça, ou que peut occuper le Tim Nakaza. Donc c'est les deux formes, en fait, en seule forme, qu'en réalité, il peut prendre, ou que recevoir Tim Nakaza, ou qu'à nourrir, qu'à blanchir, donc ou pas une pension alimentaire. Mais son sorte de compensation sont d'autres formes d'exercice de l'obligation alimentaire. Il y a la dernière question. Oui, alors, est-ce qu'on peut demander et obtenir que le jugement qui nous condamne à verser des aliments soit annulé ou comment faire pour arrêter de verser les aliments auxquels on a été condamné ? Donc, il faut savoir qu'effectivement, le montant de la pension, il n'est jamais définitif. Dès lors que la situation du créancier va évoluer ou celle du débiteur, on peut saisir le juge en disant « Mais voilà, il travaille, donc il n'a plus besoin de pension. » Ou « Moi, je me retrouve au chômage, je ne peux plus assumer. » Et demander soit la suppression de la pension, soit sa baisse. Mais c'est effectivement, on peut toujours le faire. Alors, c'est une question subsidiaire. Est-ce que, en ce qui concerne les pensions alimentaires, il y a un ratio financier, c'est-à-dire un prix, enfin une somme allouée automatiquement, ou alors ça se négocie ? C'est vraiment fonction des besoins du créancier et des charges et revenus du débiteur. En sachant qu'il y a un montant médian de pension alimentaire, par exemple, on dit qu'une personne qui a un revenu de 1 500 € mensuel va avoir à payer à charge 150 € à peu près, sous réserve de ses charges et revenus, en fait. Hein. Oui. Donc on peut avoir des revenus importants, mais si on a des charges tout aussi importantes, la pension sera moindre. Donc, mais c'est vraiment les besoins du créancier et les charges et revenus du débiteur. Et c'est le juge des affaires familiales qui fixe le montant de la pension, à défaut d'accord entre les parties. D'accord.
Dernière chose, c'est... Non, peut-être juste une question dans le prolongement, dans le cas où la solidarité familiale, effectivement, elle ne fonctionne pas parce que les enfants, par exemple, ne peuvent pas payer de pension alimentaire. Comment est assurée, en fait, la subsistance de ces personnes qui se retrouvent... Enfin, voilà, si l'enfant, par exemple, ne paie pas. Oui, voilà, pour le parent, qui va assurer, au final, sa... Oui, il a dit que si, par exemple... Antimoun, en difficulté dans le besoin, et m'a des familles aider. Mais que famille-là ne paie pas. Mm-hmm. Ah ben, à un moment-là, ça, pas mon bébé aider. C'est m'a des les temps, l'argent, c'est fait affaire. Mm-hmm. C'est que vous, débiteurs, vous avez dit quoi m'a des moyens, ne paie pas par où. Ne paie pas par où. Bon, encore vous l'avez fait. Fait affaire, mais on ne paie pas par où. Mais ça, il est débouté des bains d'amélioration parce qu'il n'y a pas de possibilité financièrement de bailler l'argent. Mm-hmm. C'est-à-dire, sans demande qu'il y a fait, mais ça n'a pas veut dire qu'il y a accepté de demander. Bien sûr. Et qu'il faut ça discuter et que vous, qu'il y a approuvé qu'un peu pas bas. Ou alors, quand on dit, moi, peut-être 200 euros, moi, c'est 50 euros ou 20 euros un peu bas. Mm-hmm. Par exemple. Et donc, tout le bien qu'il y a fait, qui est venu et charge quand on a un qui a demandé des pays pour un centre de buteur et qui a besoin à Tala qui a demandé là. Tala qui a demandé là. Il peut réellement en difficulté, et puis en la rue là. Mais débrouillé ici, un peu pas bas haut. Au gré dans la rue là. Un peu pas bas haut. Donc c'est toujours fondamentalement possibilité que tu as là, que tu as commandé là, le député au pays. Ou pas. Si moi-même en difficulté, à faire tirer ma bas haut. Comment moi-même j'ai un problème. Pour votre quand tu as toujours envie de vous morceau. Donc un peu pas bas haut. La dernière question est toujours la même. Quel rôle a l'avocat dans ces situations? Ben, l'avocat va aider. À monter un dossier, à préparer des pièces, parce qu'il faut justifier qu'on n'est pas en mesure de payer la pension, et il faut justifier lorsqu'on est du côté du créancier qu'on est dans le besoin. Donc c'est vraiment, ça va être des lettres de rappel, ça va être les avis d'impôt, ça va être des... Voilà, c'est un peu tout ça. Monter un dossier pour montrer d'un côté qu'on est dans des difficultés, et de l'autre, qu'on ne peut pas payer de pension alimentaire parce qu'on a par ailleurs des crédits, d'autres obligations. Dernier nom. On va remercier nos deux avocats pour cette chronique et donner rendez-vous pour l'année prochaine. Quoi, c'est une bonne année, nous a dit ça. Est-ce qu'on pourrait, dans une prochaine émission, parler de l'aide juridictionnelle? Parce que c'est une question, enfin, c'est que quelqu'un qui a regardé l'émission qui a dit, ouais, je pourrais aborder des questions dans ça, parce que tout le monde banne l'argent pour y avoir un avocat. En deux mots, l'aide juridictionnelle, il changeait, enfin, il y a bien changé, je pense. Non, parce que surtout qu'on monte des plafonds. La loi a dit que si vous gagnez tant, vous payez l'aide judiciaire totale, l'aide juridictionnelle totale, c'est-à-dire que un avocat, vous payez ni avocat à payer, ni ici à payer. Mais si vous voulez, vous pouvez déplacer le plafond là, peut-être légèrement, vous pouvez créer l'aide juridictionnelle partielle. C'est-à-dire que peut-être à 70%, à 50%, à 40%. Et à ce moment-là, ça, l'avocat là, quand vous avez désigné là, il m'a dit au restant là, vous avez fait une convention d'honoraire. D'accord. Mais prochain coup là, nous allons détailler ça. Merci en tout cas de venir à Zot et encore de confirmer Zot que nous avons monde qui a gardé l'émission là. Il y a encore Pat, ils sont fidèles à l'émission là ça et que bien content. Jean-Jocas parler de ces problèmes là ça, puisque ça a passé très clairement et vraiment très bien au niveau de la population là. Il y a quoi que le monde très content. Et donc, on est obligé, des autres cas, j'ai obligé au VIN en janvier. Voilà. Voilà, merci en tout cas. Dernier mot, Céline. Oui, on a un petit sujet encore. Encore un petit sujet. Oui, ça concerne l'arbre de Noël de l'association Yon Alot à Sainte-Anne. Alors, je donne deux petites informations concernant ce qui se passe à la mairie de Bimaou en ce moment. Alors, donc. Premier adjoint, je l'ai dit, Monsieur Dessout. Deuxième adjoint, troisième adjoint, Monsieur Georges Daubin. Quatrième, David Montout. Cinquième, Maryse Darmé. Et on nous signale que, bien sûr, il fallait s'y attendre, que Monsieur Audrey Cornano et Madame Jabès ont été exclus donc de la liste des adjoints et qu'ils ont voté nul
contre le conseil municipal, ce qui ne les met pas dans une situation très favorable et que le maire même les a stigmatisés dans son discours d'ouverture. Voilà, la cérémonie est pratiquement terminée et je vous donne l'occasion de continuer sur Noël. Et bien justement, l'arbre de Noël de l'association Yonalot à Sainte-Anne, on regarde, c'était hier. Nous avons souhaité organiser un arbre de Noël solidaire pour les enfants. Et donc c'est un projet qui a germé en septembre, en fait, à peine quelques mois. Et donc on s'est donné un défi, en fait, d'essayer d'organiser ça pour les enfants dits défavorisés. Mais il n'y a pas que des enfants défavorisés, il y a des enfants aussi, tout simplement, de milieu social normal, moyen. Donc on a voulu faire une mixité, en fait, par rapport à cela. Et donc voilà, donc c'est l'esprit de pouvoir faire participer les enfants pour connaître ce que c'est qu'un arbre de Noël, en fait, tout simplement. Puisque connaissant la structure de l'emploi en Guadeloupe, effectivement, en général, les arbres de Noël sont organisés par les grands groupes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas ce que c'est. Donc on a souhaité mettre ça en place pour les enfants avec des soucis gonflables, avec aussi tout ce qui concerne les gâteaux, barba papa, enfin, et puis les Pères Noël qui arrivent. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est donner de la joie aux enfants en fait, et voilà, montrer un peu ce que c'est. Donc Père Noël qui est période de partage, de joie, de fête. Et donc il faut marquer le coup justement durant cette période-là. Donc voilà, on s'intéresse aux enfants et on a décidé de mettre ça en place aussi à travers notre association. C'est ça, c'était ça. Voilà, c'était voilà. Ça. L'arbre de Noël de Yonalot. L'arbre de Noël, on se dit bon Noël encore, sans excès, pas dépassé quantité rhum, schwab et toute qualité de tiens au cabouret habituellement. Fais attention, bon l'année aussi pour les Mongols, mais on aura l'occasion de se revoir pour la bonne année. Et on dit aussi à tous nos téléspectateurs de bien passer ces fêtes. On envoie un bon quimbérette pour les gens qui sont malades. Je l'ai dit pour ma mère qui est un peu malade, mais pas seulement elle, tous les malades, toutes les personnes qui sont malades en ce moment en Guadeloupe et en Martinique et en France. Et puis nos amis qui sont en France, quimbérette aussi. Noël sous l'hiver, c'est bien le Noël sous l'hiver. Ah, c'est un peu moins sympa, moi je trouve. C'est moins sympa, moins sympa. Il n'y a pas fait pas trop chaud en ce moment du côté de Lyon. Non, apparemment il faisait très doux en ce mois de décembre, Noël doux. Je pense que c'est lié vraiment au dérèglement climatique, qui se passe vraiment des drôles de choses au niveau du climat. Effectivement, en ce moment. Même à New York, apparemment il fait doux. Ouais. Bien, ben voilà. Je connais certaines qui vont profiter pour voyager, mais enfin, j'en dis pas plus. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, vous avez quand même des choses à proposer ces jours-ci, Céline. Oui, bien sûr, à partir de demain, la rédaction de Canal 10 va vous proposer un coup d'œil dans le rétroviseur de cette année 2015. Donc à partir de demain et pendant 6 jours jusqu'au 4 janvier, on va vous proposer mois par mois une rétrospective de l'année 2015. Et c'est assez amusant de se pencher comme ça sur ces 12 derniers mois. Il y a des choses qu'on avait non pas oubliées, mais qui paraissaient si loin. Et c'est assez intéressant de se rappeler de tout ça avant de tourner la page. On regarde tout ça avec plaisir à partir de demain. À partir de demain. De demain, pendant quelques jours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. Oui, et on se quitte en musique avec le chanté Noël de Sainte-Rose. Joyeux Noël à tous. Cette mer.